préférés. Des papillons voyageurs et des jongleurs. Des farceurs, un magicien et des musiciens. Il y a le clown jongleur. Il peut jongler en hauteur. Sur ses échasses, il n'a pas peur. Il peut voir les papillons voyageurs. Papillonville est l'endroit où je suis né. La ville des clowns, c'est elle ma préférée. Des papillons voyageurs et des jongleurs. Des farceurs, un magicien et des musiciens. Il y a le clown farceur. Il est très très bon acteur. Il fait semblant de vous parler, mais c'est pour mieux vous arroser. Papillonville est l'endroit où je suis né. La ville des clowns, c'est elle ma préférée. Des papillons voyageurs et des jongleurs. Des farceurs, un magicien et des musiciens. Il y a le clown magicien. Il est très habile de ses mains. Il fait apparaître un pigeon en le sortant de son chapeau melon. Papillonville est l'endroit où je suis né. La ville des clowns, c'est elle ma préférée. Des papillons voyageurs et des jongleurs. Des farceurs, un magicien et des musiciens. Il y a les clowns musiciens. Ils vous font taper dans les mains avec tous leurs instruments. Ils vous font passer du bon temps. Papillonville est l'endroit où je suis né. La ville des clowns, c'est elle ma préférée. Des papillons voyageurs et des jongleurs. Des farceurs, un magicien et des musiciens. Il y a le clown chantois. Chantois, c'est moi, je crois. Papillonville, c'est beau, n'est-ce pas? Allez, chantons une dernière fois. Papillonville est l'endroit où je suis né. La ville des clowns, c'est elle ma préférée. Des papillons voyageurs et des jongleurs. Des farceurs, un magicien et des musiciens. Papillonville est l'endroit où je suis né. La ville des clowns, c'est elle ma préférée. Limonade, j'adore la limonade. Allez viens, chante avec moi. Chante avec moi cette chanson-là. Si tu veux saluer comme moi, lève les doigts et bouge comme ça. C'est comme ça que saluent les soldats. Bonjour, bonjour, comment ça va? Moi, chante-toi, je dis bonjour comme ça. Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est comme ça que saluent les Chinois. Bonjour, bonjour, comment ça va? Moi, chante-toi, je dis bonjour comme ça. Tu
ça va. Lorsqu'on est gêné, on salue comme ça. Bonjour, bonjour, comment ça va? Moi, Chantoine, je dis bonjour comme ça. Bonjour, bonjour, comment ça va? Les gentilshommes font salut comme ça. Bonjour, bonjour, comment ça va? Moi, Chantoine, je dis bonjour comme ça.
Mesdames et messieurs, regardez, les peu savantes sont arrivées. Des numéros extraordinaires qui sans aucun doute vont vous plaire. Il y a la puce acrobate qui retombe toujours sur ses pattes. Mesdames et messieurs, regardez, les plus savantes sont arrivées. Des numéros extraordinaires qui sans aucun doute vont vous plaire. Il y a la puce ventriloque qui n'a pas la langue dans sa poche. Je dois vous dire, je trouve ça louche qu'elle parle sans ouvrir la bouche. Mesdames et messieurs, regardez, les plus savantes sont arrivées. Des numéros extraordinaires qui sans aucun doute vont vous plaire. Il y a la puce danseuse qui est toujours très radieuse. Elle danse très bien la claquette. Elle fait du bruit comme un squelette. Mesdames et messieurs, regardez, les peu savantes sont arrivées. Des numéros extraordinaires qui sans aucun doute vont vous plaire. Il y a la puce plongeuse qui n'est pas du tout nerveuse. Elles sont du haut d'un balcon pour atterrir dans un bouchon. Mesdames et messieurs, regardez, les peu savantes sont arrivées. Des numéros extraordinaires qui sans aucun doute vont vous plaire. Il y a la puce funambule qui semble toujours dans sa bulle. Elle peut marcher sur un fil. Elle se doit d'être très agile. Mesdames et messieurs, regardez, les peu savantes sont arrivées. Des numéros extraordinaires qui sans aucun doute vont vous plaire. Mesdames et messieurs, regardez, les peu savantes sont arrivées. Des numéros extraordinaires qui sans aucun doute vont vous plaire. Bravo! Roger Malchaussée est un cordonnier qui tous les jours travaille dans son atelier pour réparer les trous dans ses souliers. Mais jamais, jamais il ne peut terminer, car Madame Babiche est entrée avec un talon cassé et son petit, petit Rémi qui a les souliers trop petits. Roger Malchaussée est un cordonnier qui tous les jours travaille dans son atelier pour réparer les trous dans ses souliers. Mais jamais, jamais il ne peut terminer, car la fanfare au grand nez qui tous les jours de l'année apporte tous leurs souliers pour les faire briller. Roger Malchaussée est un cordonnier qui tous les jours travaille dans son atelier pour réparer les trous dans ses souliers. Mais jamais, jamais il ne peut terminer, car Monsieur le maire, tout en colère, en voyant ses souliers en l'air, je suis venu la semaine passée, la semaine est encore décollée. Roger Malchaussée est un cordonnier qui tous les jours travaille dans son atelier pour réparer les trous dans ses souliers. Mais jamais, jamais il ne peut terminer, car arrive le pompier tout essoufflé. Un chat, je suis allé sauver.
trop vite, j'ai grimpé dans l'échelle et j'en ai perdu ma semelle. Roger Malchaussé est un cordonnier qui tous les jours travaille dans son atelier pour réparer les trous dans ses souliers. Mais jamais, jamais il ne peut terminer, car arrive un policier avec un lacet cassé, se mit à siffler de tous les côtés. Vite, 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 je suis pressé, les autos je dois faire circuler. Roger Malchaussé est un cordonnier qui tous les jours travaille dans son atelier pour réparer le trou dans ses souliers. Mais jamais, jamais il ne peut terminer. Roger Malchaussé est un cordonnier qui tous les jours travaille dans son atelier pour réparer le trou dans ses souliers. Mais jamais, jamais il ne peut terminer. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais les souliers sont réparés. C'est Pat. Pat le mille personnes, elle est au marché pour acheter quelque chose à manger. Sur son chemin, il l'a rencontré, des gens qui l'ont tous salué. Bonjour, 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 bonjour. Au Pat le mille pattes. Pat le mille pattes s'en allait travailler avec ses bottes et son chapeau de pompier. Sur son chemin, il l'a rencontré, des gens qui l'ont tous salué. Bonjour, 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 bonjour. Pat le mille pattes s'en allait s'amuser. Avec ses amis, il aimait bien sauter. Sur son chemin, il l'a rencontré, des gens qui l'ont tous salué. Bonjour, 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 bonjour. Pat le mille pattes s'en allait danser avec ses nombreuses paires de souliers. Sur son chemin, il l'a rencontré, des gens qui l'a tous salué. Son chemin, il l'a rencontré, des gens qui l'a tous salué. Bonjour, 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 bonjour. Anatole est allé à l'école. Depuis ce temps-là, il bricole. Il a étudié beaucoup, travaillé pour devenir un charpentier. Étant petit, il aimait bien travailler. Avec son père, il apprenait le métier. Son papa lui disait: mon garçon, c'est comme ça qu'on
bâti une maison. Anatole est allé à l'école. Depuis ce temps-là, il bricole. Il a étudié, beaucoup travaillé pour devenir un charpentier. Le premier clou qu'il a enfoncé, le pouce d'abord, il s'est cogné. Il ne s'est jamais découragé. Maintenant, il peut clouer toute la journée. Presque jour et nuit, il a commencé par bâtir sa maison, qu'il a fabriquée tout en bois rond. Anatole est allé à l'école. Depuis ce temps-là, il bricole. Il a étudié, beaucoup travaillé pour devenir un charpentier. Il est spécialisé dans les toitures. Il fabrique aussi de jolies clôtures. Il a élevé une très haute tour pour voir les villages tout. Ça me déplaît, j'en ai assez, je veux l'arrêter. À chaque fois que je veux parler, le hockey est là pour m'en empêcher. C'est le docteur Joli Cœur qui te rassure quand tu as peur. Elle répand la bonne humeur, on la consulte à tout heure. J'ai eu le hockey toute la journée. Comment faire pour m'en débarrasser? Le docteur me dit, j'ai une solution. Retiens un temps ta respiration. C'est le docteur Joli Cœur qui te rassure quand tu as peur. Elle répand la bonne humeur, on la consulte à tout heure. C'est difficile de me déplacer. Sur un gros arbre, je me suis cogné. À chaque fois que je veux marcher, ça me fait vraiment trop mal aux pieds. C'est le docteur Joli Cœur qui te rassure quand tu as peur. Elle répand la bonne humeur, on la consulte à tout heure. Docteur Joli Cœur, j'ai mal aux pieds. J'ai sûrement un orteil de cassé. Elle me dit, j'ai une solution. Je te fais un plâtre, ça ne sera pas long. C'est le docteur Joli Cœur qui te rassure quand tu as peur. Elle répand la bonne humeur, on la consulte à tout heure. J'ai mal au cœur et ça me fait peur. Je crois que j'ai trop mangé pour dîner. À chaque fois que je veux bouger, mon ventre se met à gargouiller. C'est le docteur Joli Cœur qui te rassure quand tu as peur. Elle répand la bonne humeur, on la consulte à tout heure. C'est le docteur Joli Cœur qui te rassure quand tu as peur. Elle répand la bonne humeur, on la consulte à tout heure. La 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 la
Je m'en vais chez le coiffeur pour être joli comme un cœur. J'ai les cheveux un peu longs, ils me traînent jusqu'au menton. Ils me lavent les cheveux pour qu'ils deviennent très soyeux. Ces ciseaux entre les doigts, ils les coupent un à la fois. Je m'en vais chez le coiffeur pour être joli comme un cœur. J'ai les cheveux un peu longs, ils me traînent jusqu'au menton. Je lui pose une question, un à la fois, ce sera très long. Il me dit de ne pas m'en faire, qu'il savait très bien quoi faire. Je m'en vais chez le coiffeur pour être joli comme un cœur. J'ai les cheveux un peu longs, ils me traînent jusqu'au menton. Après 3 heures, je lui dis, va-t-on y passer la nuit? Un peu de patience, me répondit, j'aurai fini avant minuit. Je m'en vais chez le coiffeur pour être joli comme un cœur. J'ai les cheveux un peu longs, ils me traînent jusqu'au menton. Six heures de travail acharné, il me dit voilà, j'ai terminé. Je lui dis la prochaine fois, essayez donc 2 à la fois. Je m'en vais chez le coiffeur pour être joli comme un cœur. J'ai les cheveux un peu longs, ils me traînent jusqu'au menton. Je m'en vais chez le coiffeur pour être joli comme un cœur. J'ai les cheveux un peu longs, ils me traînent jusqu'au menton. Je vis dans une petite maison avec un joli balcon où je m'assois pour composer mes chansons. Je vis dans une jolie maison avec un toit à 2 pignons. C'est Monsieur Bricole qui l'a bâti avec l'aide de tous ses amis. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, je peux enfin retrouver tous mes compagnons. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, retrouver mon lit et dormir avec Mourcy. Quand je rentre à la maison, je chante cet air joyeux. Je retrouve mes compagnons et ça me rend très heureux. Je retrouve ma petite fleur de mon cœur. Je dois vite l'arroser, elle a l'air un peu fanée. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, je peux enfin retrouver tous mes compagnons. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, retrouver mon lit et dormir avec Mourcy. Je retrouve mon petit chat qui vient se frotter contre moi. Mon chat s'appelle Mitaine, je lui chatouille la bedaine. Ma maison est entourée d'un joli petit verger. Lorsqu'arrive l'automne, on s'en va cueillir les pommes. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, je peux enfin retrouver tous mes compagnons. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, retrouver mon lit et dormir avec Mourcy. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, je peux enfin retrouver tous mes compagnons. Comme je suis heureux de rentrer à la maison, retrouver mon lit et dormir avec Mourcy.
Il était une fois un papillon voyageur qui papillonnait sur les plus belles fleurs. Un jour, il fit la rencontre d'un papillon de nuit qui dormait sur la même fleur que lui. Et je vous trouve très jolie.
tout en rond. Il est aussi beau qu'une fleur, et on le dit très charmant. Et papillon, je vous trouve aussi très mignon. Depuis ce temps-là, les deux papillons vivent ensemble dans leur maison. Un papillon tout mignon qui papillonne tout en rond. Il est aussi beau qu'une fleur et on le dit très charmant.